Alors, Smarty, continuons d'observer avec un peu de calcul les équations simples à une inconnue. Des équations du premier degré, mon pacalou! Exactement, Smarty. Et l'inconnue est utilisée ici telle que 100 puissance, racine carrée ou autre formule compliquée. Allez, présentons cette devinette de la semaine. Voilà, c'est parti, voici les 6 devinettes de la cinquième semaine. Comme depuis le début, l'objectif est de continuer d'apprendre en lisant bien les énoncés, en observant bien les schémas. Et du coup, on pose bien l'équation qui, après, techniquement, permet de résoudre chaque devinette. Première devinette, un gros seau contient 125 balles blanches. On remplace 25 balles de ce seau par 25 balles jaunes. Et on mélange bien. Et on recommence deux fois la même opération, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on enlève 25 balles au hasard et on ajoute 25 balles jaunes. Alors finalement, quel est le pourcentage de balles blanches qu'il va y avoir dans le seau? Devinette 2. Mathieu, Mathilde, Mathis et Mathias se rendent au clubhouse pour emprunter des clubs et ils veulent s'entraîner. Alors l'un d'eux a emprunté un seul club, l'autre deux, le troisième trois clubs et le dernier quatre clubs. Un des joueurs est amateur de driver, donc il n'emprunte que des drivers. Un de sandwedge et il n'emprunte que des sandwedge. Un de putter et il n'emprunte que des putters. Et le dernier, c'est l'amateur de clubs hybrides et il n'emprunte que des clubs hybrides. En vous aidant des indices ci-dessous, retrouvez pour chaque golfeur avec quel genre de club il veut s'entraîner et combien il en a emprunté. Alors on a ici cinq phrases. Celui ou celle qui a emprunté deux clubs ne s'appelle pas Matisse. Mathilde veut tester les drivers, mais elle n'a pas emprunté un seul driver. Mathis a emprunté plus de clubs que la personne qui a emprunté des sandwichs. Mathis a emprunté moins de clubs que Mathieu. Et puis Mathieu, lui, n'a pas voulu s'entraîner avec des clubs hybrides. Voilà, essayez de retrouver qui a emprunté quoi et combien. Devinette de la semaine 3, c'est un classique. Un agriculteur a des poules et des vaches dans sa ferme. Alors si je compte les têtes de tous ces animaux, j'en trouve 50. Par contre, si je compte les pattes de tous ces animaux, j'en trouve 140. Donc, combien y a-t-il de poules et de vaches dans la ferme? Devinette 4 de cette semaine, une entreprise fabrique des balles et des seaux. Pour chaque balle produite, l'entreprise dépense 20 centimes d'euros. Et puis pour chaque seau, elle dépense 40 centimes d'euros. Alors, si l'entreprise a dépensé un total de 2000 euros pour produire 6000 balles et seaux au total, la question est combien de balles et combien de seaux a-t-elle produit? Devinette 5. Dans un clubhouse, on vend des t-shirts 15 euros, des pantalons 30 euros et des vestes 50 euros. Un client, il a acheté 5 articles pour un total de 160 euros. Donc, sachant qu'il a acheté un pantalon de moins que de t-shirts, autant de t-shirts que de vestes, combien d'articles de chaque type a-t-il acheté? Allez, dernière devinette de la semaine. Arthur achète un set de tee et 3 balles pour 5 euros. Bernard, lui, a acheté 3 balles et un relève pitch pour 7 euros. Et Camille a acheté un set de tee et un relève pitch pour 4 euros. Alors si Daniel décide d'acheter un set de tee, 3 balles et un relève pitch, combien va-t-elle payer? Bon allez, rendez-vous demain pour la réponse à la première devinette. Et comme toujours, Smarty essaye de rechercher quand même un peu les solutions. Oui, dis-les, mon pacalou, zéa, zéa.